match de Tchécoslovaque. Il ne croit pas en chien, il faut s'attendre d'ailleurs de monter beaucoup en retard. Il faut que c'est un mal. Regardez ce nombre de joueurs qu'il y a dans le groupe. Que les Russes, ces derniers temps, ont été assez coutumiers du fait de se faire remonter en un match, ce qui peut se dire qu'ils ne connaissent pas la distance. Alors qu'en fait, je pense tout simplement que quand ils ont l'avantage, ils se complaiseront dans un jeu défensif qui leur coûte des mécomptes et c'est assez moral. Thank you.
assez égal quand même. Il n'est pas passionné, il veut être très passionné, mais je trouve que notre équipe se fait de faire un bon football. Il y a quelques mains spécifiques, mais de toute façon, il garde bien son travail. Il faut prendre la correction du côté, car il a vécu de passer de faire une très bonne équipe. Normalement, dans notre football, c'est un constat d'un bon nombre de paradis.
fait, mais sur la peau, mettre un peu sur le côté.
Desi.
difficile, mais regarde bien quand il va passer le but. Oui.
Salah se sentait aussi en bonne position. Il s'était bien mis la balle sur le pied droit. Il était en bonne position en face de but pour pouvoir lui reprocher d'avoir tenté sa chance. Même si effectivement Partna était finalement mieux placé. Thank you.
Yeah.
Presque tous les joueurs sont bons. Quand c'est longtemps dans ce match et que les actions des Tchèques n'étaient pas efficaces parce qu'ils jouaient de façon assez approximative, et ce qui était surprenant. Mais depuis le début de la deuxième mi-temps, et notamment maintenant, on sent effectivement qu'il y a toujours des excellents joueurs et que le résultat qui fait se justifie par ce point de vue. Enfin, l'équipe internationale du qualité exceptionnel, mais c'est une équipe solide. Et puis, effectivement, une pression assez considérable. Mais les Français ont du mal à maîtriser, je le répète, parce qu'il semble une défaillance collective au milieu du terrain, notamment. Ce qui interdit aux joueurs français de pouvoir attaquer comme ils laissent pour près et qui donne la possibilité aux Tchèques de multiplier les actions comme celle-ci encore, de laquelle on a des points au sens que les Tchèques poussent maintenant plus de détermination les actions qu'au début du match. Thank you.